Eh bien, salut tout le monde, c'est Choco, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode LSPDFR sur GTA V. Donc là je sors tout juste du garage avec ma nouvelle Audi R8, qui est vraiment pas mal en mode édition Red Bull. Donc ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va aller se rendre au commissariat qui est juste ici. Et puis on va aller prendre notre service tranquillement. Et puis je vais vous montrer à travers ma vidéo qu'on a eu vraiment pas mal de nouveautés. Des nouveautés au niveau des véhicules, des textures, il y avait vraiment eu pas mal de changements pour les modes French. Et donc on va voir ça tout de suite en vidéo. Je fais attention à mon petit bolide pendant ce temps là. Et puis on va rouler tranquillement dans les rues de Los Santos. Essayer un peu de trouver des criminels, pourquoi pas les arrêter. Essayer de neutraliser des personnes sans qu'il y ait de débordement, ça sera vraiment notre défi aujourd'hui. Elle est vraiment pas mal cette voiture, vraiment très puissante. J'aurai l'occasion de vous la montrer dans d'autres vidéos, j'ai pas mal de bolides en stock. Et vraiment je pense que ça va vous faire plaisir. Allez, on arrive tout de suite à la préfecture de police. Vous voyez qu'il y a eu pas mal de changements. Des changements au niveau des sigles de la police de Los Santos. Là il y a vraiment eu un gros travail. Et donc on va aller tout de suite prendre le service. L'entrée se trouve juste derrière. Allez, c'est parti. Allez, j'espère qu'on aura pas mal d'action sur cette nouvelle vidéo. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait du mode police nationale. Donc là, c'est la reprise. J'espère qu'on va partir sur un bon démarrage, bien comme il faut. Et puis, voilà, on va choisir notre petit personnage. Tac, tac. Je vais enlever tout ça. Ouais, ça va aller comme ça. On va se prendre... non, on va laisser ça comme ça. Pas de chapeau. Pas de lunettes. Non, c'est bon. Ok, on part comme ça. Alors, comme je vous l'avais montré, il y a une petite nouvelle dans les véhicules disponibles pour la police nationale. La Ford Focus RS en mode 5 places. Donc, on va aller tout de suite la tester sur les routes de Los Santos. C'est parti. Ok, on se retrouve actuellement du côté des studios sur Rockford Drive North. On avance tranquillement, on observe un peu la situation. Pour l'instant, tout se passe bien. On va essayer de tourner un peu dans les studios, on va essayer de rentrer. Si la barrière s'ouvre, ça serait vraiment sympa. Est-ce que la barrière s'ouvre? On va essayer de passer doucement alors. Ah bah tiens, la barrière s'ouvre, c'est vraiment cool. On avance, on va essayer de contrôler un peu la situation à l'intérieur. Pour l'instant, tout va bien. On a pas mal d'acteurs ici. On va essayer d'avancer tranquillement. Par contre, de ce côté-là, ça ne s'ouvre pas. On passe. Ok, nickel. Bon, on va solliciter un peu le central pour essayer d'avoir un peu plus... d'appels d'urgence, ça y est, je les envoie. Attention all units. Units reporting a homicide in Rockford Hills. Shots fired. Ok, central, je prends l'intervention. On y va, c'est parti. Attention, il y a du monde. Il y a vachement de monde. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il me fait? D'accord, le gars ne s'arrête pas malgré le fait que j'ai mis les gyros et les sirènes. Attention, il y a vraiment du monde ici. Oh là, oh là, oh là. Oh là. J'ai un fusil à pompe. Comment je vais faire? Allez, je vais avancer tranquillement. Ne lui tire surtout pas dessus ou je t'allume. Police, ne bougez pas. Oh putain. Putain de merde. Ne bouge pas. Putain, lâche ton arme. Ok. Je viens de le neutraliser. La victime a pu s'en sortir. La personne qui était sous le joug de cet homme a pu s'en sortir. Donc là, on va donc appeler la police scientifique qui va venir faire le boulot juste ici. J'étais vraiment obligé de le neutraliser. Central, ici 03, j'aurais besoin d'une intervention de la police scientifique sur les lieux. Terminé. Bon, ça se termine comme ça. On va poursuivre notre patrouille alors. C'est parti.
Ah, qu'est-ce que j'ai sur ma carte, là? Il y a un véhicule suspect, là. Je vais essayer de, le contrôler. On va essayer de le contrôler. Hein. Je vais me mettre juste là, on va tourner. Vous voyez comment il est placé sur le terre-plein central? On va faire attention. Je vais mettre les gyros sans les, voilà, sans la sirène. On y va en avance. On va pas rester bloqué ici. Par contre, c'est tellement le bordel. Allez, bougez. Voilà, merci. On fait le tour, on va passer juste derrière tranquillement. J'espère que cette personne-là ne va pas disparaître au passage. Voilà, nickel. Attention all units, we have a possible burglary in Rockford Hills. Respond code 2. Ok, attendez, je vais quand même contrôler le véhicule là-bas, je passe au milieu. Voilà, on va le contrôler. Roger, we're heading over now. Allez un peu plus loin monsieur s'il vous plaît. Voilà, nickel. Là sur le côté c'est bien, nickel, parfait. Ok. Bon, je vais me mettre comme ça. On va descendre du véhicule, on va aller contrôler cet homme ou cette femme. Bonjour monsieur, police nationale, inspecteur Choco. Donc je vous arrête car j'ai eu un petit doute sur votre conduite là au niveau de l'intersection. On va donc procéder à un petit contrôle. Donc hop. Je vais vous demander donc la carte d'identité, carte grise et permis de conduire s'il vous plaît. Voilà, nickel, monsieur Matt Weston, né en 93, on va aller vérifier ça. Ne bougez pas. Alors pour vérifier l'identité de monsieur, je vais aller sur l'ordinateur de bord. On va aller regarder au nom de Matt Weston. Voilà, Matt Weston. Tac. Alors il n'est pas recherché. Il n'est pas recherché. Il a quand même deux petites citations sur son casier. Mais sinon tout va bien. Tout va bien. Donc on va finir avec ce monsieur. On va lui mettre juste une petite amende pour sa conduite qui n'était pas réglementaire. Et puis on va le laisser partir. Monsieur, je vous ai donc juste partir avec une petite amende, hein, 50$. Faites attention la prochaine fois. On garde les yeux sur les citoyens de la ville, alors faites vraiment attention. On laissera rien passer. Voilà, donc... Monsieur, bonne journée. Ok, nickel. Oula, oula, qu'est-ce que c'est que ça? On y va, on prend. Vous avez vu juste là? Oula là, vous avez vu ce type là, juste là? Il n'avait pas de casque, il vient juste de se faire renverser et il continue, il poursuit sa route. Je vais demander de s'arrêter là, c'est pas possible. Monsieur, police nationale, arrêtez-vous sur le bas-côté. Waouh, il m'a surpris là. Il vient juste de remettre son casque. Donc on va vérifier son identité à lui aussi. Monsieur, bonjour, police nationale. Ici l'inspecteur Choco. Je vous arrête car je vous ai vu rouler sans casque. Ne me mentez pas, je vous ai vu le remettre juste après. Donc voilà, je vais vous demander votre carte d'identité, votre permis de conduire ainsi que l'assurance du véhicule s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup monsieur. Ne bougez pas, je vais procéder à un petit contrôle sur mon ordinateur de bord. Merci. Monsieur Karel Ahern. Monsieur Karl Ahern. Ok, on va regarder ça tout de suite. C'est vraiment pratique cet ordinateur de bord. Il nous permet de ne pas oublier l'orthographe des prénoms et tout, c'est pas mal. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Donc là, c'est à mon avis, il y a une carte d'identité volée là, parce que... Attendez, la photo ne colle pas. D'accord, il y a écrit mal, mais c'est une femme sur la photo. Donc là, il y a eu un petit problème là, je pense. Soit il y a eu une petite opération chirurgicale entre temps, mais là, il y a eu un petit problème. Donc je vais quand même embarquer monsieur. C'est pas logique du tout, on va aller vérifier ça au commissariat. Allez hop,
Tac. C'est vraiment pas logique du tout. Il y a un petit problème là. Je vais contrôler son véhicule. On va contrôler la plaque d'immatriculation. Centrale ici, officier Choco, j'aurais besoin d'une information sur un véhicule de type bâti et en porte-plaque d'immatriculation 46EEK572. Terminé. Suspect's license plate 4, 6, Edward, Edward, King, 5, 7, 2, a hit and run. Très bien, j'ai eu raison de pousser les investigations un peu plus loin puisque là on a vraiment un problème sur ce véhicule là et on a un problème sur cette personne. Donc je vais lui demander de descendre de son véhicule, ça va pas le faire du tout. Voilà monsieur, descendez de votre véhicule. Je vais donc vous arrêter, vous êtes donc en état d'arrestation pour non port du casque. Et puis on va aller procéder à des petits contrôles parce que votre véhicule est recherché. Voilà monsieur, ne bougez pas, j'appelle un collègue qui va venir vous récupérer sur San Andreas Avenue. Voilà. Centrale, je vais avoir besoin de l'intervention d'un transporteur de prisonniers sur San Andreas Avenue. Terminé. Voilà, merci monsieur de patienter, ça va être rapide. Le véhicule va être embarqué là tout de suite, il va partir à la fourrière. Centrale, je vais avoir besoin d'une remorqueuse sur San Andreas Avenue. Terminé. Voilà, ce véhicule-là va être pris en charge par les collègues. Et puis ce monsieur-là va devoir s'expliquer parce que là, il y a pas mal de faits contre lui. Donc voilà, il va aller voir le collègue tout de suite. Salut collègue, occupe-toi bien de ce monsieur. Il a pas mal de choses à nous raconter. Bonne journée monsieur, bonne soirée. Hop là, on est reparti. Bon, j'espère que le central va nous envoyer quelques interventions parce que ça serait vraiment... Qu'est-ce qui se passe? On prend l'appel, central. Oh putain, je lui fonce dedans. Putain de merde. Lâche ton arme. Putain, lâche ton arme. Ah, j'étais obligé de le liquider. Il m'a tiré dessus. Putain de bordel, quoi. Ok, c'est réglé. Code 4 central. Je vais avoir besoin de l'intervention de la police scientifique, s'il vous plaît, sur San Andreas Avenue. Merci. Là, ça allait très vite, là. J'ai été obligé de le neutraliser. Il n'a pas hésité à me tirer dessus. Je suis bien touché, là. Ok, la police scientifique arrive, elle est juste là. Voilà un petit skin que j'ai préparé. Donc ce skin là, je vous l'ai justement mis à disposition sur le site gta5-mods.com. Donc ceux qui ont envie de le télécharger, pourquoi pas, n'hésitez pas à aller sur le site, je vous mettrai le petit lien dans la description. Voilà, donc nous on va repartir gentiment, on va les laisser travailler tranquillement. Voilà, centrale code 4. Ok les amis, comme vous avez pu le voir, j'ai changé de véhicule puisque le véhicule Ford RS avait des problèmes de texture. J'ai eu un message du créateur Charlie, je le salue au passage, qui a normalement réglé le problème. Donc je vais essayer de re-télécharger le nouveau fichier à jour et puis normalement ça devrait rentrer dans l'ordre. On va quand même continuer notre petite patrouille avec le véhicule, le modèle de Yunsu, qui est vraiment pas mal. Et puis on va essayer d'interpeller nos petits suspects, les gens qui ne respectent pas la loi. Attention all units, terrorist activity in West Vinewood. Multiple officers down, gunshots reported. Code 99, all units respond. Ok central, je prends l'intervention, on part en code 3 sur cette intervention, une attaque terroriste au niveau de West Vinewood. Donc on va essayer d'y aller assez vite. Parce qu'il paraît qu'on a des officiers à terre. Alors comment on va faire? Ils ont l'air d'être regroupés à un certain endroit. Oh là là, j'entends déjà des explosions. Ça a l'air oufissime. Allez, go, go, go. On appuie sur le champignon. Ok. Ils ont l'air d'être... Ils sont ici. Ok. Oh mon dieu, le mec a des roquettes. Putain de bordel. Central, je vais avoir besoin de l'intervention du GIGN, s'il vous plaît. La gendarmerie nationale, on y va. Oh mon dieu. Putain.
Ok, je viens de neutraliser le terroriste. J'espère qu'il est tout seul. Mon dieu. We have a traffic alert in West Vinewood for narcotics in transit. Ok, centrale, ici Zebra 3, je prends l'intervention en code 3, c'est parti. Donc là, on va essayer d'intercepter un véhicule suspect. Donc il va falloir faire très attention. J'ai peur que les personnes à bord soient armées jusqu'aux dents. Attention, lequel c'est ? Approach with caution. Alors, lequel c'est ? On va attendre un peu que le feu change un peu. On va essayer de voir quel véhicule... Ok, très bien. C'est le véhicule qui vient de tourner à droite. Central, je poursuis le véhicule suspect sur Las Lagunas Boulevard. On avance en direction du nord. Ok, je vais procéder au contrôle du véhicule. Je vais lui demander de s'arrêter s'il veut bien obtempérer. Sinon, je vais devoir appeler des... Qu'est-ce qu'il nous fait? Il prend une route à contresens. Je lui demande de s'arrêter tout de suite. Le suspect vient de tourner sur Dillion Drive. Ok, très bien. On va prendre un peu nos distances. Je vais barrer la route avec mon véhicule. On ne sait jamais. Ok. Je vais tenir mes distances et je vais demander au conducteur de sortir du véhicule. Monsieur, sortez du véhicule immédiatement. Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Mettez-vous au sol. Oh putain. Le gars ne bouge pas. Ok. Il y a eu un petit bug, mais j'ai réussi à maîtriser la situation. Les suspects se mettent au sol. Il va y avoir des collègues qui vont arriver sur place. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Monsieur, vous êtes donc en état d'arrestation. Tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous. Si vous n'avez pas d'avocat, on pourra vous en commettre un d'office. Ne bougez pas, monsieur. Pourquoi les pompiers sont là? Oh mon dieu. Qu'est-ce qui se passe à côté? Putain, il y a eu un... Ok, attendez, attendez. Je vais interpeller le deuxième suspect. Où est-ce qu'il est? Waouh, où est-ce qu'il est? Ok, il y a un petit bug à ce niveau-là. Non, 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 ne monte pas dans ce véhicule. Suis-moi. Suis-moi, je vais te mettre... Je vais te mettre au sol. Voilà, mets-toi au sol. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette moto? Attendez, je reviens à ça. Que les collègues y sont allés un peu fort. Central, on va avoir besoin de l'intervention de la police scientifique sur Las Lagunas Boulevard. Termine. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce véhicule là? Central, merci de dépêcher une dépanneuse sur la même position. Terminée. Qu'est-ce qui s'est passé avec les pompiers là-haut? Oh là là, mais il y a trop de bordel. Waouh, waouh, waouh. Ok. Merci les collègues. Target license plate. Merci beaucoup. 6, 1, Charles, Ida, Mary, 4, 5, 8, no, 1099. Merci les coroners, merci. Alors un petit truc, hop. Attendez, on va juste aller vérifier ce qui s'est passé là-haut, parce que les pompiers... Waouh, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la dame est en position latérale de sécurité, est en position bizarre? Alors là, il y a un truc bizarre, les coroners vont peut-être monter pour s'occuper de cette dame. En attendant, je vais appeler donc appeler des collègues qui vont venir récupérer le monsieur qui est à terre là, justement. On se trouve actuellement sur Clinton Avenue, à l'angle de Alta Street et Clinton Avenue. Donc on va essayer d'attendre les nouvelles interventions du central. Tiens, tiens, tiens. Ok, central, ici Zebra 3, je remplis en code 3. Terminé. Ok, bon, on va y aller assez vite, puisque là, la vie d'une personne est en danger. Une célébrité en tout cas. On va essayer de la libérer et essayer d'interpeller l'individu qui l'a prise en otage. Attention. Alors attendez, là ça va partir en course poursuite en plus. Mais les PNJ de GTA 5, c'est vraiment un truc de dingue. Mon dieu, on va pas y arriver.
Ok, j'accélère un peu. On va essayer de prendre la direction du sud assez rapidement. Et on va essayer de couper pour rejoindre le suspect. Waouh. Je vais un peu trop vite là, il faut que je fasse très attention. Il y a pas mal de citoyens en tout. Ouh là là. Ok, j'arrive pas à conduire aujourd'hui. Bref, on a localisé le suspect qui est juste là. Il essaie de faire demi-tour à bord d'une limousine. On va essayer de le bloquer. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Attendez, je vais le bloquer. Ça suffit. C'est une dame. Madame, sortez du véhicule, dépêchez-vous. Les mains en l'air, ne bougez pas. Très bien. Si vous coopérez, tout va bien se passer. Mettez-vous au sol. Très bien. Voilà. Madame, vous êtes donc en état d'arrestation pour kidnapping. Tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous. Si vous n'avez pas d'avocat, on pourra vous en commettre un d'office. Ne bougez pas, madame. Qu'est-ce que c'est que ce look en plus? Très bien. On va vous embarquer. Alors, centrale, je vais avoir besoin d'un collègue sur Ewick Avenue. Terminé. Très bien. Normalement, les pompiers vont s'occuper de la célébrité qui est à l'intérieur du véhicule. Donc on va attendre l'arrivée des pompiers. Où est-ce qu'ils sont? Très bien, ils sont là, très bien. Ah, ça marche bien aujourd'hui, les collègues sont vraiment au taquet. Sauf lui là qui se cogne au véhicule. Salut collègue, t'as un peu bu aujourd'hui ou comment ça se passe? Allez, salut, bonne journée, occupe-toi bien de cette dame. Madame, est-ce que vous allez bien? Bon, elle a l'air d'aller très très bien même. Par contre, le véhicule là, il va rester en milieu de la route. Donc je sais pas du tout si on a la possibilité de remorquer les limousines. On va vérifier ça tout de suite. Centrale, ici 03, j'aurais besoin de l'intervention d'une dépanneuse, d'une remorqueuse sur Ewick Avenue pour un véhicule de type limousine. Terminé. Ok, bon, on va essayer de voir ça. Ça se passe bien, ça se passe très bien même. On va essayer de repartir en patrouille tranquillement. On a signalé donc un code 4 au central. Allez, est-ce qu'il nous prend la limousine? C'est nickel. Bon, ceux qui ne savent... Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Le gars a chopé... Attention. Le gars a chopé la limousine, mais il nous l'a placé en plein milieu de la route. Très bien. Mais écoutez, je vais la mettre sur le côté. Et puis on va repartir en patrouille tranquillement. Ah, bah très bien, elle a disparu. Ça, c'est la merveille de GTA 5. Ok, centrale, on est à nouveau disponible pour une intervention. On reste en stand-by, terminé. We have a possible 148 in Grande Sonora Desert. Désolé centrale, c'est trop loin de ma position. Oula! Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Je vais essayer de contrôler ce petit véhicule blanc. Attendez, on va le prendre en chasse là. Oh là là! Oh là là! Monsieur, dépêchez-vous de vous mettre sur le côté un peu plus loin, s'il vous plaît. Ok, le mec va avancer. Il était un peu pressé. Je me demande ce qui lui arrive. Un peu plus loin, monsieur. Voilà, sur le côté là, ça serait vraiment top. Ne prenez pas la fuite. Ok, le mec se gare en plein milieu de la route. On va laisser une petite place. On va essayer de vérifier tout ça. Allez, c'est parti. On va peut-être faire un petit play check juste avant. Centrale, ici Zebra 3, j'aurais besoin de donner l'information sur un véhicule de type Dubstar ayant pour plaque d'immatriculation 82BCE352, terminé. Target license plate 82 Boy Charles Edward 352 1099. Ok, ce véhicule appartient à un certain Gino Bonaducci, donc on va aller vérifier ça. Est-ce que c'est ce monsieur-là qui conduit? Bonjour monsieur, police nationale, je vous ai vu un peu excité au niveau du feu, donc je vais vous demander les papiers du véhicule ainsi que votre permis de conduire, s'il vous plaît. Copy,
Très bien, on va procéder à un petit contrôle de routine. Ne bougez pas, monsieur. Merci. Bon, là, j'ai l'identité du suspect. Ça a l'air d'être en règle au niveau du véhicule. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller faire un petit check au niveau de l'ordinateur de bord. Donc, on va aller voir ça. Monsieur Gino Bona Duci. Ok, ça a l'air d'être bon. On va aller voir ça tout de suite au niveau du fichier. Alors, ce monsieur est né en 89. Il n'a pas de... Il n'est pas recherché. Il a quelques citations au niveau de son casier judiciaire. Mais ça a l'air d'aller. Donc voilà. Bon, ça a l'air bon pour ce monsieur. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais juste lui donner un petit avertissement. Hein, parce que voilà, il avait une conduite un peu sauvage. Monsieur, tout se passe bien au niveau de votre identité, casier judiciaire, il n'y a rien à signaler. Mais par contre, faites vraiment très attention, ne jouez pas à faire le fou sur la route, parce qu'il y a des vies en danger, donc voilà, faites attention. Voilà. On va essayer d'interpeller des suspects. Attendez, on a juste au niveau, au coin de cette rue-là, on a juste un véhicule qui semble être volé. Attention, oh putain! Ok, on prend l'intervention, c'est parti. Centrale, je suis actuellement à la poursuite d'un suspect sur Del Perro Boulevard. On le prend en chasse, il semblerait que le véhicule soit volé. Le suspect roule à une vitesse assez excessive. Donc on va essayer de l'interpeller. Envoyez-moi des renforts sur ma position, merci. Ok, le mec il force vraiment toutes les intersections. Oh là, il a tourné, il a fait me faire... Il a fait une trolley, je vais essayer de l'arrêter. Ok, cette fois-ci, ça part vraiment en course-poursuite. Le gars refuse d'obtempérer. Je vais essayer de passer devant pour l'arrêter. Il m'évite. Ok, il descend du véhicule central. Je le poursuis à pied. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, il vient de tomber. Ne bouge pas ou je te tase. Oh putain. Ok, le gars a pris la fuite. Le gars a vraiment pris la fuite. On est actuellement sur Rockford Drive North. Bon, je le poursuis le suspect à pied. On est actuellement sur Rockford Drive. Putain. On est actuellement sur Rockford Drive South. Ok, on avance tranquillement. Le suspect, je vais le taser comme il faut. Parce que il refuse d'obtempérer. Et j'ai manqué mon petit tase. Allez, on poursuit le suspect. J'espère qu'il ne va pas se prendre une voiture au niveau de cette sortie d'autoroute. Ok, tu ne bouges pas. Tu te mets au sol et très vite. Ok. Central, j'ai le suspect sous contrôle, je lui passe les menottes. Monsieur, vous êtes donc en état d'arrestation pour conduite dangereuse et pour refus d'obtempérer. Oh là, ok, on a un camion en fuite, je vais essayer d'aider notre collègue qui est sur place. Il est actuellement à la poursuite d'un homme, d'un suspect. Attendez, il conduit un camion, il descend de son véhicule, je vais essayer de l'interpeller. Attendez, on a un petit problème là, il va nous le tuer, il va nous le liquider. Monsieur! Qu'est-ce qu'il nous fait? Il l'a descendu. Je le tase. Ne bougez pas, monsieur. Putain de bordel. Allez, arrête-toi. Ok, je viens de manquer une course-poursuite à l'instant. Monsieur, vous êtes donc en état d'arrestation. Vous êtes donc en état d'arrestation pour conduite dangereuse et refus d'obtempérer. Central, je vais avoir besoin d'unité en renfort sur Rockford Drive South. Terminé. Bon, il y a eu vraiment un dommage collatéral. Le collègue a tiré n'importe comment sur les citoyens. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Oh putain! Oh merde! Ok, je vais essayer de récupérer mon véhicule, on va le prendre en chasse tout de suite. On va les prendre en chasse. Alors attendez, il va falloir que j'aille très très vite. Il va falloir que j'aille très 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 vite. Parce que là, ça va à un rythme vraiment de dingue. Comment ils ont fait pour couper la route là au bout? Ok, je vais couper par là. Je vais couper par là, on va essayer de les rejoindre à l'autre bout.
Ok, je les vois passer à l'angle. On les poursuit. Attention, je ne passe pas. Mon Dieu. J'ai tiré sur un des véhicules. Le capot a été ouvert. J'espère que j'ai touché le moteur. Où est-ce qu'ils sont? Ils ont tourné là à droite. Ils prennent la direction de l'aéroport, je crois. Ok. Ces mecs-là font vraiment la course. Ils n'ont pas encore vu que j'étais derrière eux. Quand ils vont, mon temps d'arriver, ça va faire boum. Oh mon Dieu! Il y en a qui vient de passer par-dessus la barrière de sécurité. Il faut vraiment que j'arrive à arrêter l'autre, qui prend vraiment de très très gros risques. Regardez-moi ça. Il est vraiment dangereux, il va très très vite. Attendez. On arrive sur le suspect, là on est actuellement sur Autopia Parkway. Le suspect coupe les intersections, ne respecte aucune signalisation. Il faut vraiment l'arrêter assez rapidement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, où est-ce qu'il va là? Monsieur, arrêtez-vous! Ok. Ok, la dame descend du véhicule. Ne bougez pas! À terre, à terre, à terre, à terre! Bon, je vais essayer de la plaquer vu qu'elle n'est pas armée. Ok, c'est bon. Ok. Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Voilà, très bien. Arrêtez-vous tout de suite. Du coup, j'ai perdu le deuxième suspect.